Alors là, vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent hyper bon. Et regardez-moi ça. Là que sont grillées les graines, donc au feu de bois, à la bûche. Incroyable. L'odeur est vraiment exceptionnelle. Bienvenue dans l'Indre. On est chez Jean Hervé, une des belles maisons de la bio. Et on va visiter tout ça. On s'en fait plus que ça. Julien, c'est quoi une bonne amande pour Jean Hervé? Alors c'est une amande qui est excellente. Déjà le goût, c'est le principal. Ouais. Et puis on recherche à travailler que des amandes entières. Ok. comme on voit ici, ouais. Principalement des amandes entières. On préfère ne pas utiliser des fruits qui sont cassés ou abîmés. Ok. Toujours pour un parti de qualité gustative du produit. Et ça c'est en magasin quand on achète nos amandes, c'est le même. On peut avoir le même œil de choisir des fruits entiers. Ah oui, il faut toujours préférer une amande entière, parce qu'une amande qui est cassée, une amande qui va avoir la chair exposée à l'air, elle peut avoir moins de saveur, okay. Parce que le fruit a déjà oxydé. Bon, voilà, le bon conseil. Ça fait beaucoup d'amandes. Regardez-moi ça. Voilà, petit stock. Et donc Benoît, ce savoir-faire-là, cette façon de faire, c'est unique à Jean-Hervé? Alors clairement, là les paulettes que tu peux voir là, Simon, donc c'est Jean lui-même qui les a développées, okay. Petit à petit, donc il a développé cette technique de la cuisson au feu de bois, ouais, avec le feu qu'on a vu, ouais. Donc sous la paulette, et tout le système des pales qui tournent, donc qui vont permettre d'harmoniser la température au niveau de la paulette, au niveau de la cuisson des fruits, et d'avoir cette saveur qui est vraiment unique des savoir-faire Jean-Hervé. C'est du patrimoine vivant, regardez bien. Donc là, Benoît, c'est la machine qui permet de préparer le gomasio. Oui, donc le gomasio, donc une fois qu'il a le sésame et le sel ont été cuits dans les poêlettes que l'on a vues préalablement, on va alimenter par un système automatique donc la hotte ici, et le gomasio donc, va être concassé sur ces deux cylindres de pierre. Là aussi, toute la technique et le savoir-faire va être de ce fin réglage qu'on va pouvoir faire au niveau des meules, de sorte à ce que le gomasio garde du croquant, garde du croustillant, donc sans pour autant qu'il soit trop grossier et sans qu'on aille vers une texture comme de la farine. Là encore, beaucoup de savoir-faire et de technicité pour avoir un produit qui soit le plus conforme possible au goût du consommateur et au goût Jean-Hervé. Tout ce qu'on a vu fini dans la gamme Jean-Hervé, que vous pouvez retrouver sur Aventure Bio, que vous pouvez retrouver directement sur le site Jean-Hervé aussi en tant que particulier. Les purées de fruits secs, les mélanges apéritifs, le gomasio qu'on a vu qui est ici et ici. Très très belle gamme, avec toujours un focus sur le goût et sur l'intégrité, le côté vivant du produit. Dans nos gammes Jean-Hervé, on va aussi donc travailler en dehors des formats de pot. Sur des formats vrac, donc des seaux de 5 kg, on peut aussi proposer jusqu'à 20 kg pour des applications de transformation. Donc on va retrouver globalement toutes les purées et les pâtes à tartiner. Les mélanges de fruits secs apéritifs ou de fruits secs nature, on va les retrouver sur du sac, donc pareil, du sac 2 kg, et puis on peut monter sur différents formats. On travaille également en produits sucrés les pâtes d'amande, donc qui est un petit snack hyper intéressant, donc en 50 grammes, donc de la pâte d'amande nature et puis différentes saveurs, hein, qui passent du gingembre au café, cacao, orange confite, etc. Quelques formats kilo. Et notre nouvelle gamme des Tipero, donc produit qui a été primé au meilleur produit bio pour cette année 2023, avec 6 recettes, donc en fait qui sont les mélanges apéritifs qu'on a passés sur Meule. Et qui nous permettent d'avoir un produit qu'on peut utiliser à la fois pour dipser en apéritif, mais également pour préparer des marinades et des sauces pour toutes vos préparations culinaires.